Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un let's play sur Animal Crossing. Donc on va commencer tout de suite. Je préviens, le son est un peu dégueulasse on va le dire hein. L'espace de 5 secondes au démarrage du ROM. Donc on est bon. Let's go. Donc c'est ce que j'ai dit hein. Là c'est bugué mais c'est pas grave. Ok. On va passer vite fait ça. Raté. Oui, les premiers fails. Allez, hop là. Ok, donc là le son va être correct. Voilà. Donc, nous sommes au début. Donc, bienvenue à bord, tout ça. Donc, il donne l'heure, etc. Bref. C'est pas forcément important. Donc la technique c'est d'appuyer sur tous les boutons jusqu'à ce qu'il nous donne le jeu. Bon alors, votre nom. Alors moi je vais donner mon vrai prénom ou mon pseudo. J'hésite. Allez, on va mettre Nem. Parfait. Qu'est-ce qu'il va dire? T'aimes bien ce nom? C'est viril. Attends. Ok, donc là il demande si on est un homme ou une fille. Ok. Où est-ce qu'on va? Alors nous, on pourrait aller à Nem City ou n'importe quoi, sauf que ce serait nul. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller à... Alors, voilà. Et donc voilà, Agen, une ville française. Allez, c'est bon, je peux jouer. Donc, pourquoi est-ce qu'on y va? Pour ces magasins, hein. On adore faire les magasins tout le temps. C'est vraiment la chose qui est passionnante. Allez, tu peux me donner l'envie, s'il te plaît. Tu peux me laisser jouer. On va y arriver. Ok, merci. Donc là, on va arriver à la mairie. Ok. Il y a des bugs de bruit tout le temps, mais c'est normal. Donc je déménage. Allez, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Donc là elle nous explique, oulala, il y a Tom Nook, c'est le plus gentil du monde. Donc waouh, comment on ouvre une carte? Je ne savais pas faire. Allez, laisse-moi jouer, du coup. Alors, on est là. Notre maison, c'est celle qui est verte. Ok, donc on habite juste à côté de chez Tom Nook. Parfait. Donc, alors. Donc, pendant que je me déplace. Déjà, juste les musiques. Vraiment, c'est toute mon enfance en fait, ce jeu. Donc. Pardon, je retire la souris quand j'en ai pas besoin. Donc là en gros elle nous a demandé d'aller chez nous, oulala, parce que c'est trop bien. Et en gros ensuite on va les bruits sont magnifiques. On va ensuite du coup quand on ressort, oulala, il y a Tom Nook par hasard. Donc Tom Nook est notre employeur et il nous offre un boulot magnifique. Donc voilà, bonjour Tom Nook. Alors est-ce que je peux faire Oh oui, je peux appuyer. Yes, pas plus besoin d'utiliser la souris, oui. Alors, t'en penses quoi? Il a l'air confortable. Je sais pas valider, c'est bon comme ça. Ok. Donc, c'est Tom Nook, le gars il a un magasin dans la ville. Okay.
Et tout de suite il parle d'argent et il nous dit oulala, je t'ai prêté une maison et tu me rembourseras. Donc je lis pas tout le texte, hein, c'est stupide. Je pourrais, mais bon. On n'a pas vraiment le temps. Donc j'ai à peu près 20 000 clochettes à lui rendre. Les clochettes, c'est la monnaie du jeu. Allez, tu peux laisser jouer. Donc là il dit que c'est à la mairie qu'on le rembourse. Donc là en fait il nous demande pas, en fait il pose pas les questions est-ce que t'as envie de travailler ou quoi. En fait il y a des théories qui ont été faites comme quoi lui c'est un baron de la mafia pas très très net et que bon du coup et voyons, en fait on n'a pas le choix, du coup on arrive et on... Mais du coup oui, ça fait son charme et ça fait le jeu, ça fait ce qu'est le jeu du coup. Donc c'est ce qui me plaît vraiment. Et c'est pas ce qu'on pense au début, parce que moi j'y ai joué quand j'étais jeune du coup. Et j'étais pas en train de me dire oulala il y a un problème, on me demande de travailler dès que j'arrive, vous voyez. Donc on va chez Tom Nook. Les bruits. Ah putain. Ok. Donc, oulala, oui, je suis là, j'ai besoin d'argent. Donc, je dois mettre un uniforme. Tous ceux qui travaillent ici doivent en porter un. C'est le seul. Il travaille seul en fait. Enfin, pour l'instant. Ok. Donc, on prend notre tablier. Hop là, on va le mettre. Parfait. Oh, les bruits, sérieusement. Oh, c'est magnifique, ça me fait tellement... Oh, c'est trop bizarre. Maintenant que tu es prêt, mettons-nous au travail. Eh oui. Tout d'abord, pourrais-tu planter des arbres et des fleurs autour du magasin? Les clients viennent plus volontiers dans un magasin agréable à regarder. Oui, je ne sais pas lire, il y a un problème. Blablabla, je compte sur toi. Donc c'est super simple. Au début, t'es en mode, mais comment ça marche? Mais bon, quand tu sais un peu les commandes du jeu, c'est plus simple. Alors, donc, où est-ce que je vais mettre... Alors, on va essayer de faire quelque chose de plutôt bien. Donc, en l'occurrence, on va faire ici. Ouais, du coup, faut faire planter. Oui, j'avais oublié. Ok, planter. Planter. C'est passionnant ce jeu. Ok, parfait. Mince, j'en ai récupéré une. Mince, pardon. C'est un émulateur donc je peux faire en fait. Alors je vais juste vous montrer rapidement. Alors, je peux faire alors des sauvegardes. Vous voyez. Et revenir à la sauvegarde. Voilà, bon. Bref, c'est pas forcément utile dans ce jeu là. Mais dans d'autres, j'ai pas d'idée à vous dire là. Mais dans d'autres jeux, je pense que ça peut avoir une très très bonne utilité. Ok. Allez, laisse-moi jouer. Je viens de me rappeler quelque chose. Tu viens d'arriver à Jeun, non? Bon, tu vas aller te présenter à tous ceux qui habitent ici? Tu sais quoi? Tu as très bien travaillé, alors je te laisse prendre une pause. Profites-en pour aller te présenter auprès de tes voisins, mes clients. Donc il nous donne du coup une instruction, aller à la mairie, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais faire une toute petite ellipse pour voir si ma voix est parfaite avec du coup l'enregistrement et la musique derrière. Donc je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai l'impression que tout est bon, donc on va remettre play, voilà. Et on reprend le jeu. Donc on doit aller se présenter à tous les habitants, donc rappelons-le. S'il te plaît, ok. Donc, on a peut-être un petit problème d'affichage. Alors attendez. Allez, s'il te plaît. Il y a un problème d'affichage, je ne sais pas d'où ça vient.
Est-ce que je devrais l'ouvrir directement? Non? Bon, c'est dommage. Donc on va aller se rendre d'abord donc en haut. Enfin du coup en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite on va dire. Il y a des maisons. Donc on va y aller. Je précise que je suis sur émulateur, mais c'est pas illégal. Sachant que j'ai le jeu bah, chez moi, juste à côté de moi si vous voulez. Mais du coup c'est pas illégal d'avoir un émulateur et d'avoir le jeu du coup bah, chez nous tout simplement. Donc là il va falloir trouver notre cher. Absolument pas. Où est-ce qu'on se souhaite? Voilà. Donc je vais essayer de trouver du coup 2-3 habitants histoire de leur dire bonjour, salut. Alors ici c'est pour passer de l'autre côté de la ville. On va voir ce que ça donne. Et enfin, on n'a pas le choix, on peut pas sortir. Alors, je sais plus ce qu'il dit. Non, non, c'est bon, je veux plus te parler, je veux plus te parler. Ok. Ok, donc bon, eux ils font pas partie de la liste, donc on va pas les prendre en compte. Voilà. Allez. Comment que je sprint? Donc là, l'objectif c'est de trouver les habitants. Ça va être extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, ils peuvent se balader là où ils veulent. Bon, bah, c'est des bots, hein, donc ils font ce qu'ils veulent. Et pareil pour. Mais ils sont. Y a personne qui est chez soi. Super. Loupé. Et j'ai toujours pas accès à la map. Ah, peut-être en redémarrant le launcher, mais. Ah, il y a tout le monde là. Oh, vous êtes si sympathique. Ça fait bizarre vraiment de retrouver tout ça. Vraiment, c'est. C'est purement. Comment dire? What? Qu'elle raconte? J'ai l'impression qu'on a des problèmes d'affichage là. Attends. Ok, quelle est la date de mon anniversaire? Qu'est-ce comment ça marche? Alors, il faut savoir que je suis né le 13 décembre. Ouais, on a des problèmes d'affichage, alors. Donc, comment est-ce que je vais faire? J'ai une idée. Alors, on va faire un truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, c'est que j'ai des choix là, vous voyez. Et donc, il y a un bug d'affichage. Alors, je suppose que c'est oui, donc le oui est toujours en haut. Ok, ça je sais pas. Je sais pas quel est mon groupe sanguin, désolé. Ok, on va tous leur dire bonjour parce qu'en l'occurrence il y a 3 habitants. Oh lui je le connais. Enfin du coup ouais je les connais tous parce que bon bah j'y ai joué du coup à ce jeu. Alors je vais peut-être vous lire je sais pas si je devrais vous les lire. Vous savez quoi? On va faire un truc. Dites-moi en commentaire si je dois lire ce qui est écrit au. Ou pas, simplement. Parce que il y a beaucoup à lire et que de toute façon, bah, c'est pas compliqué, hein. Je pense pas que ça puisse déranger l'un d'entre vous. Après, si c'est le cas, pas de problème. Hein. Alors attendez, je crois que j'ai vu quelqu'un là. Oui. Bonjour. Lui, je le connais aussi. C'est surtout les bruitages que je me rappelle. Et à quoi il ressemble? Ça fait bizarre. Alors, on va dire n'importe quoi. Ça. Ok. Ah et du coup, j'ai pas de bouton. Ah, désolé. Ok. Donc, on a vu tout le monde. Maintenant, la mairie. Alors, la touche. C'est ça. Les bruits de porte. Sérieusement, c'est un peu hardcore. Bonjour la mairie.
Bon, elle nous a vu, hein, ça suffit. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Parce qu'en l'occurrence, je suis là, j'ai beaucoup besoin d'argent. Parce que j'ai, en fait, j'ai un crédit sur le dos. Bienvenue dans le monde réel. Ah. Ok, objectif, maintenant retourner voir Tom Nook. Non, 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 c'était pas ce que je voulais faire du coup. Ah, on a re de l'affichage, je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, on va courir un peu. On va retourner à la... Comment ça s'appelle? Chez nous, non, enfin non pas chez nous, chez Tom Nook. Donc, bonjour Tom Nook. C'est bourride, c'est horrible. Bonjour, salut. Le maire? Où est-ce qu'on le rencontre, le maire? Alors vous allez me dire à la mairie, mais oui. Waouh. Mais le maire? Alors, on va y retourner. Peut-être j'ai loupé quelqu'un, je ne sais pas. Hein. Ça me ferait... ce serait bizarre, mais du coup... On est d'accord qu'il n'y a rien, là. C'est trop bizarre. Où tu es? Où tu te caches? Alors, petite question, est-ce que j'ai re la map correcte? Parce que c'est peut-être temporaire. Non. Alors, prof Gabi, ceux-là, je les ai vus. Et où est-ce qu'il est, le musée? Il est là, ok. Donc, on va reprendre le pont et on va aller au musée. Let's go. C'est bizarre parce que, vraiment... Ça fait bizarre d'y jouer avec une haute qualité entre guillemets. Parce qu'avec la DS, je crois que la qualité était un peu réduite. Bon, c'est pas grave, hein, ça change pas tout, mais c'est super beau, je trouve. Ok. Il y a aussi cette... Comment dire? Je pense pas que c'est le maire, c'est pas possible. Ah oui, les dons pour... ouais... Oh, ça fait si longtemps. Alors... Ah oui, ça se développe après, au bout d'un moment. Oh là là... Bon, ici je trouverai rien, on est dans un musée. Alors, on va aller voir le café de Kéké. Enfin, le Kéké, c'est le chanteur. Bonjour, monsieur le hibou. C'est pas du tout un hibou. Salut. 200 clochettes. Eh, j'ai un crédit à remboursement. Oh. Juste apprécier cette musique. Oh putain, mais je sais pas s'il y en aura qui auront connu ce jeu, du coup. Mais waouh, quoi. Alors vraiment, le maire est censé être à la mairie, on est d'accord. Pourquoi? Vraiment, je suis bloqué. Ce jeu est d'une simplicité, mais folle. J'arrive à être bloqué. Mais what? Ça n'a pas de sens. Le maire. Où est-ce que je peux le voir? Et où est-ce qu'il est, notre maire? Mais what? Vous connaissez les choses sans sens? Et ben voilà. Est-ce qu'elles sont déjà ouvertes, elles? Les doigts de fée. De toute façon, c'est pas le maire, hein, mais bon. Ça fait partie des gens que je suis censé dire bonjour. Salut. La gentillesse. Point, 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 point.
Ok. Ah oui, je sais. Normalement, je pense que je peux lui vendre mes vêtements. Alors, on va retirer ce t-shirt parce que on s'en fout en fait. C'est un t-shirt basique. On va voir combien ça coûte. Allez, ça suffit. Hop là. Histoire d'avoir un petit peu d'argent, faire semblant qu'on a fait quelque chose ce premier épisode. Parce que c'est l'épisode un peu le plus compliqué du coup. Entre guillemets. C'est celui où il y a tout le monde qui se présente. Enfin voilà quoi. Alors le maire. Mais vraiment, j'ai vraiment pas d'idée. Raté. Où est-ce que je peux trouver le maire? Le maire. Il se balade peut-être. Mais j'ai vraiment pas de souvenir du maire. Mais vraiment, aucun. Mais tu serais pas le maire toi? Petite question. Non, me dis pas que c'est toi le maire. S'il te plaît, vraiment, s'il te... Alors c'est de la mauvaise touche, mais c'est pas toi le maire. Mais c'est le maire lui, non? Est-ce qu'il figure sur les... Tout simplement, on va aller voir ça. Est-ce qu'il figure? Est-ce qu'il y a Tomier? C'est bien le maire. Oh là là. J'en ai marre, je suis fatigué. Le titre de l'épisode, ce sera « Mais où est le maire ?» Voilà, c'est tout. Donc, objectif, revoir tous les habitants, parce que du coup, il en manque. Gabi, je l'ai vu. Ouais, il y a des problèmes d'affichage. J'essaierai de résoudre ça durant... durant, du coup, bah, le prochain épisode. Enfin, pour le prochain épisode. Tu parles trop en fait. Ok. Donc, ça j'ai vu. Alors. Objectif, trouver tous les habitants. Ah, il y a quelqu'un dans l'intérieur. C'est faux. Bah, j'ai pour souvenir d'avoir vu tout le monde, donc bon. C'est vraiment bizarre. Alors, bonjour. Ah bah ouais, j'ai pas vu tout le monde. Effectivement. Ah là là. Donc j'avais vu le maire. Mais il me disait rien. C'est vu qu'en fait c'est pas un personnage principal, on... Je m'en rappelais plus. Ok. Bonjour. C'est bon, je me suis présenté à tout le monde, Tom Nook, s'il te plaît, donne-moi autre chose à faire. Tonton. Tonton. Mais c'est chez moi ici, mais je sais pas ce que je fais en fait. Sérieusement, je fais pas ça d'habitude en fait. Je ne veux pas faire ça. Ah là là. Donc, Tom Nook, on disait. Bonjour. Salut, j'ai terminé. Alors. J'aimerais que tu ailles livrer ce meuble à prof, merci. J'avais oublié qu'on faisait des livraisons au début. Alors, on va faire cette livraison et ensuite on terminera cet épisode. Donc, donc prof, où es-tu? Je cherche prof actuellement. Je crois qu'il n'y a personne. Encore dehors ou pas? Ok, donc il est dehors. Prof. Ah, prof, je crois que c'est lui. De tête. Ok, parfait. Donc, on lui donne sa petite livraison. Voilà.
Mais pourquoi tu me livres une quelque chose que j'ai demandé à Tom Nook? Bah. Ah, tu fais partie du personnel. Ah là là. Voilà ton cadeau de crémaillère. Excellent. Une armoire royale, ça te dirait? Tu es venu ici main vide? Je sais quand même. On va l'écrire dans le... C'est trop bien. Mais vraiment, c'est... D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, vraiment, ce let's play est déconseillé au moins de 3 ans. Voilà, vraiment. Donc, on a terminé notre livraison. On retourne chez Tom Nook. Let's go. Bienvenue chez Tom Nook. Putain. Ok. Let's go. Bonjour Tom Nook. Alors, félicitations pour ta première livraison. Tu n'as pas l'air comme ça, mais tu es très efficace, bien sûr. Ceux qui travaillent bien ont toujours du boulot, bien sûr. Voilà. Ok. Parfait. Donc, on a la mission suivante qu'on fera dans le prochain épisode. J'espère que ce premier épisode vous plaît. J'enchaîne les tournages, histoire de faire du coup quelque chose de rapide. Enfin non, du coup, bref. Donc, j'espère que cela vous aura plu. On se quitte sur cette superbe musique, c'était NEM. Et bien écoutez, à la prochaine. Et j'espère que ça vous plaît que je reprends les vidéos... Bah ouais, je reprends les vidéos tout court. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. C'était NEM. Au revoir. Let's take a moment and break the ice. So my